La 7e édition du festival est celle de la maturité. Elle est celle qui convainc tout le monde que cet événement est désormais comparable à la Cure Salée, comparable au festival de l'Aïr, que nous sommes plus que jamais déterminés à en faire davantage un événement national, un événement international. La première activité, la plus importante, c'est naturellement les courses hippiques avec notre partenaire de tous les jours, la Fédération Nigérienne des Sports Équestres. Nous avons également fait des activités parallèles. Un don d'un important lot de médicaments au district d'Abala, de Baléara et de Filengue. Une vente à prix modéré d'aliments bétail qui s'est couplée avec une activité de vaccination de bétail avec le ministère en charge de l'élevage. Vous venez, Excellence, de lancer la vente à prix modéré des vivres pour toute l'étendue du territoire national en marge de ce festival. Nous avons aussi organisé une série de courses de chameaux avec les responsables et les éleveurs des chameaux. La fête a été belle. C'est une occasion pour que la culture nigérienne soit encore magnifiée. Et je pense que c'est extrêmement important. On a vu des choses traditionnelles, les populations de la ville, les organisateurs ou les journalistes, les forces de sécurité qui montrent que notre pays vit, en tout cas autant que possible, en recherchant la paix, sa stabilité et son indépendance. Je voudrais dire merci à cette population de Filengue qui s'est massivement mobilisée